On reprend ? Je vous jure, je surjoue pas. Vraiment, ça me... Et voilà, c'est sûr. Donc. Bien. Ok, là. Vas-y, viens, rentre. Rentre, rentre. Non, non, en vrai, ça va là, maintenant, parce que bon. Tu vois, moi, c'est toujours pareil dans les jeux vidéo d'horreur. J'ai peur quand je ne sais pas ce qui m'attend. Une fois que j'ai à peu près cerné, bon, bah voilà, le monstre, il est là, là. Merci, Tarkas. Une fois que j'ai à peu près cerné, ça va quoi. Merci beaucoup Tarkas, merci beaucoup. On vient de là, non? Ok, ouais, apparemment. Je suis perdu. Oui, oui, c'est bon. J'espère qu'il va pas revenir. Ça s'active pas? Ça s'active pas? Oh! Le mec me bouffe en direct. Ok, bah je pense. Ok, alors ça me fait reprendre où? Il fallait que je fasse quoi du coup? Je pensais que la lumière allait revenir. Bon, ça va. Consultez la carte, vos objectifs, ok. Sa mère. Ouais, mais l'ascenseur, il veut pas se... C'est refermé ici, maintenant? Ah bon. L'ascenseur était ouvert, ah ouais. J'ai rêvé. Bah non. Ah ça y est, maintenant je peux appuyer, mais tout à l'heure j'ai voulu, ça marchait pas. Tout à l'heure j'ai voulu, ça marchait pas, fallait peut-être attendre un peu. Allez, salut. Okay. Ciao. Ouais, ouais, papa, papa, ouais, ouais, allez. Non, mais j'ai voulu appuyer sur le bouton, je vous jure, mais je sais pas, j'ai peut-être mal fait. Je pense qu'on en a fini avec cette partie, ouais. Quoique. Ah, l'ambiance, elle était... En vrai, cette partie-là était incroyablissime. Toujours pas mes armes, j'ai rien. Ah, je peux plus bouger. Ah, elle est là. Don't leave. I can't let you. You're still alive. Ok. Il est où? On essaie de la trouver. Fermé ici. Est-ce qu'elle peut être en haut? T'as tout qui bouge et tout là, c'est... Elle est là. On l'a. Everything would be better if it froze.
Bien joué. On continue. Ouais, je pense qu'il faut s'y au son, ouais, tout à fait. Non, à mon avis, on va aller une fois dans chaque pièce ou un truc du genre. De retour ici. Là on entend le rire. Elle est par là. Elle est là. Non, du coup on va la tuer sans se battre. C'est étonnant quand même. Et peut-être, enfin, peut-être que c'est une scène vraiment sans armes, sans rien. Hein. Franchement, cette partie là m'a l'air moins longue que le château. Hein. Ouais, je sais pas en fait. Parce qu'on a beaucoup tourné dans le château aussi, on a beaucoup galéré, on s'est perdu en fait dans le château. Faut penser qu'on s'est perdu dans le château. Je pense pas qu'elle soit revenue ici, non? Je l'entends. Hein. Ouais, non, j'ai pas d'armes, bien sûr, mais... Je me dis peut-être que... Pour la fin, tu vois... J'espère quand même qu'on aura un combat contre elle comme on a eu contre la... L'autre, la Dimitrescu. J'espère. On verra. Voilà. Ah, elle est où? Elle est là, elle est là, elle est là. Elle est là. Là, vous voyez, bizarrement, ça me fait plus trop flipper. Enfin, c'est glauque quoi, mais ça y est, je me suis... Ah! Sa mère! C'était sûr! J'ai failli vous dire! Ah putain, elles vont me tuer! Elles vont me tuer, j'ai fait trop de temps, non? Ah non. J'allais vous dire, bon, je vous dis ça, et au moment où je vous dis ça, je vais me prendre un screamer, évidemment. Ça n'a pas loupé, évidemment. Bon, elle est où, là? On va dire, je me suis adapté à l'ambiance générale, quoi. Putain, mais... Elle est là. Ok. Troisième fois. C'est bon cette fois. Je crois qu'on l'a tué finalement. Alors. Eh ben, je crois que c'est bon. Mia, we'll make things right. Le bébé fœtus, la clé bébé fœtus. What? Donc cette zone aura été moins longue que le château. Mais alors par contre, qu'est-ce que je l'ai préféré? Oh, donc ça c'est la clé fœtus. Pièce combinée avec la clé à 4L. Voilà, donc je pourrais ouvrir la porte d'en face. Ouais, à partir de là, ça s'enchaîne. Hein. Bocal, jambe. Oh putain, c'est dégueu. C'est bel et bien vraiment toutes les parties du corps. Comment je sors de là? Ramasse la poupée. Effectivement. Ok. Oh, cette zone était incroyable. Cette zone était folle. Du coup, j'ai récupéré mes armes. Ok, tout est revenu. Okay. Cette zone était folle. Vraiment, j'ai adoré cette zone. Je l'ai trouvée incroyablissime. Du niveau de RE7. Pour le coup, du niveau de RE7. Hein. Ce qui est bien la preuve que c'est pas qu'ils savent pas faire dans celui-là. C'est juste qu'ils ont fait le choix, le parti pris de faire différent. Mais que dès que ça revient à un truc qui moi personnellement me plaît plus, enfin me plaît plus, j'ai beaucoup plus flippé aussi, mais c'est aussi ça que je kiffe, tu vois, quand j'en sors et tout, je suis content. Enfin, c'est tout ça quoi, c'est... Donc voilà. Ah, c'était cool, franchement c'était très cool. Mais une seconde,
Merci Guillonnet, merci beaucoup. Oui, du coup, on a eu ce truc. Ah non, mais oui, il y a ça toujours. Ah bah, c'est bon cette fois. Il va falloir quoi? Que je mette la poupée, un délire du genre? Ah non. Pour moi, c'est la poupée qu'il faut mettre là. Non? La photo de famille. Bah, alors la poupée, c'est autre chose. Machin Beneviento. Mais si. Mais je l'ai prise, la poupée, on est d'accord. Trésor. Peut-être que je l'examine avant. Parce que là... Bah, je sais pas. Pour le coup, j'avoue que je ne sais pas trop. Pour moi, c'est évident que c'est la poupée qu'il faut mettre là. Ou alors, faut réécrire son nom. Ce n'est pas la poupée qu'il faut placer ici. Ok, bon. Ok. Je ne sais pas dans ce cas. Je ne sais pas. Les objets nommés trésors ne peuvent servir dans les énigmes. Seuls les objets clés fonctionnent. Ok. Je pense que t'as raté une plaquette dans la maison. C'est quoi une plaquette? Je sais même pas ce que c'est une plaquette. La poupée se vend. Ouais, ok. Je sais pas ce que c'est une plaquette, donc... Pourquoi j'avais... Fuck. Voilà. Qui êtes-vous, vous? Ah yes. C'est un bout de la plaque. Ouais. Bon, après les trésors comme ça, je crois que c'est pas forcément. Mais putain, ils sont combien? Hop. Ok. On n'avait pas eu accès à tout ça tout à l'heure, non? Boule, soleil et lune. Oh, ça! On l'avait vu, ça! Boule, soleil et lune, ok. Sur la tombe, la plaque qui est en deux, la deuxième partie est apparemment dans la maison. Je veux bien retourner et jeter un petit coup d'œil dans la maison. Je veux bien retourner jeter un petit coup d'œil rapidement parce que si vraiment c'est un super trésor et tout, ça pourrait être bien. Ça pourrait être bien. Attendez, on va vite fait checker un petit coup. Bon, ça, il se passe rien. Ah, je peux plus y retourner? Merde, ça a tiré. Ah, et ben je peux peut-être plus jamais y retourner. Du coup, j'ai peut-être raté ce trésor-là. Ouais, on dirait. Ou peut-être plus tard, hein, mais... Bon. Putain, elle est pas simple à viser la tête, là. Trop tard. Oh, pas grave. C'est pas grave, de toute façon, encore une fois, on ne fera pas le jeu à fond. C'est pas grave. C'est pas... Je pense que c'est raté. Vous voyez, je pense qu'en fait, le... L'énigme, entre guillemets, enfin, c'était de... Quand je l'ai tué et que, on va dire, j'ai, entre guillemets, libéré la maison, je pense qu'il fallait pas sortir. Mais, effectivement, par réflexe, tu te dis, c'est bon, j'ai ma poupée, je sors, quoi. Mais je pense qu'effectivement, c'est le...
Là est le piège quoi. J'aurais dû regarder la carte. Voir si effectivement j'avais ou non attendez, pourquoi j'ai la vaste? M'en fous de la vaste. Voir si en fait j'avais ou non le truc quoi. Attendez, mais il y a plein de trucs. Cette plaque que tu cherches est dans un genre de tombe avec une grille. Ah bon? Ah mais alors dans ce cas c'est pas à la maison. Bon, on va voir, attendez. Ouais, elle est peut-être ailleurs. De toute façon, c'est un jeu, comme on disait tout à l'heure, qui est résolument ouvert quand même. Hein. Tu vas à des endroits, t'y reviens, machin. Donc, ouais. Par contre, on n'en parle pas assez. C'est vrai que j'ai revu par curiosité, j'ai revu Resident Evil 7. J'ai revu un passage de mon let's play Resident Evil 7. Volant de puits, ok. Il revient dans mon inventaire. Donc je peux ouvrir tous les puits avec ça, trop bien. Et tu ne l'as pas loupé. Ok, bon ça va si je l'ai pas loupé. Et bah c'est fou comme le jeu en fait était beaucoup moins beau que celui-ci quoi. J'en ai un souvenir magnifique mais en vrai il est beau hein. Mais par rapport à celui-là il y a un vrai upgrade sur celui-là. On se rend pas compte des fois quand ça fait 4-5 ans en arrière. T'as tendance un peu à, tu vois, à le garder en souvenir mais c'est tout quoi. Et en fait bon voilà quoi, il y a quand même un gap visuel incroyable entre les deux. Hein. Oui bon ça suffit là les zombards là. Ils vont tous me tomber dessus là. Ça suffit. Ah ça suffit. Sortons. Oh. Merci Radio, merci beaucoup. Ok. Ok, ok, ok. Alors toi, bonjour. Does this look familiar to you? Bonjour, bonjour, bonjour monsieur. Alors la bourse, je veux te vendre Angie qui vaut 28 000, c'est parfait. Madelina la tête, ok. Et c'est tout. Ah, Miss Angie. Ah parfait. Donc grâce à ça, je peux t'acheter l'amélioration. Ainsi que... permet d'apprendre à fabriquer des grenades explosives. Ok. Et grenades aveuglantes. Ah ouais, on a une nouvelle catégorie cuisine. Poisson aux herbes. Ok, en fonction de ce qu'on récupère, on pourra... Ok. Avec 3000, je peux faire quoi? Rien. Par contre, alors... On va pas aller là tout de suite. Alors d'ailleurs j'avais dit qu'il y aurait les 4 trucs mais non en fait il me reste plus qu'un à ouvrir. Mais derrière on aura sûrement d'autres trucs. Ah bon on a là-bas. Ah je sais peut-être où c'est aussi. On a un truc par là-bas où il manque des trucs. Ça va être derrière l'espèce de grande grange. Bon, bref on va revenir là parce que je veux juste faire un truc. Est-ce que ça m'est indiqué? Ouais ça m'a indiqué, nice. On va au moins aller remonter les puits. Vous voyez? Parce que en vrai si dedans on peut avoir des trucs sympas qui se vendent cher. Volant de puits, vous voyez. On a 2-3, on va aller le faire. Ouais, on l'avait déjà examiné, t'inquiète, on l'avait déjà un petit peu examiné. Et... Ah, quoi que non, on n'avait pas examiné la tête, c'est vrai. C'est vrai, je n'avais pas examiné la tête. Alors attendez, puits, il y en a un autre là. Vous voyez, je pense que la dernière zone, c'est là. Parce que quand tu regardes, quand tu dézoomes, bah, il y a des trucs là, quoi. Donc il y a un puits là. Il y a un autre puits là-bas, il y a un autre puits là. Bon, on va voir si on va tous les faire, peut-être pas, mais... Et voilà. Ah, les morts sortent des tombes maintenant, ça y est. Oui, c'est vrai que oui, j'aurais pu combiner les poupées. C'est vrai. C'est vrai que je vends peut-être un peu vite, parfois. Volant de puits. Alors, qu'avons-nous ici? Un collier incomplet. Voilà, typiquement ça, faudrait pas que je le vende, quoi. Faudrait que je le complète. Typiquement, quoi. Il y en a un au bout, là. On va aller au bout du champ, vite fait, aller voir ça. Allons checker. Ah, par contre, il y a encore les monstres.
Ça va être terrible, on va se prendre des zombards sur la face. Hop, faire le grand tour. Il y a des cochons ici, comment je rentre là-dedans? Oh. Bonjour Monsieur Porc. Est-ce qu'on peut tuer le cochon? Bon tuyau. Ouais, alors, l'autre truc au milieu là. Ils sont combien là? Putain, mais... Là, le cochon qui meurt pas. Laisse le cochon. Ok, je me fais engueuler pour le cochon. Oh, vas-y, ouais. De toute façon, nous là, on est juste en train de gâcher nos armes. Le cochon. Ouais, on dirait que si t'en tues un. Bah écoutez, on va juste aller. Attendez, il y en avait un dernier, je crois, qui était là. Ouais. On va juste aller là. Comment j'y ai accès à ça déjà? Par là. Ah ouais, bah c'est par là. On va juste faire ça, ensuite on va vendre, on va racheter des balles, je pense. On n'a plus grand chose en balles. Et ensuite on part dans la nouvelle zone. Ça me paraît pas mal. Je pense qu'on peut pas les tuer sinon ils se dédoublent. Je sais pas. Possible. Possible, possible, possible. Alors. Allons voir vite fait. Allons voir vite fait, vite fait, vite fait. Après, j'imagine que les grands trucs au trésor. Ça, je peux rien faire à l'heure actuelle en fait. Hein. Comment je. Pourquoi je dis ça, mais. Comment je viens là? Que j'avais sauté par le toit, mais du coup je peux pas remonter. Merci Domania, merci beaucoup. Je sais pas du coup comment on y va. Je ne sais pas trop comment on y va. Parce que là c'est fermé. Ah si, par là. Par là, par là, par là, par là. T'es passé devant la plaque. Ah bon? Oh. Alors pour trouver où est la plaque. Compliqué ça. Trouver l'endroit avec la plaque. Déjà moi j'allais faire le puits. Par là-bas. Et le puits est là, je me rappelle bien. Ouais. Ok, alors qu'avons-nous ici? Volant de puits, voyons voir. Un crochet. Ça va te faire de la bouffe. Prends-le, en vrai, ça va te faire de la bouffe, le cochon. Ah, j'avais pas vu que le message. Bon, c'est pas grave, je suis parti. À côté de la statue blanche, il y a un genre de tombeau avec une grille. Tu peux pas le louper. Ah ouais? On va regarder. Parce qu'en vrai, si on pouvait au moins ouvrir un grand coffre comme ça. Ça pourrait être pas mal pour quand même voir un petit peu la tête que ça a. Je trouve que ce serait intéressant de voir quand même. On se balade un peu en même temps quoi. Côté de la statue blanche, donc la statue au milieu j'imagine. Alors attends. Il y a un genre de tombeau avec une grille. Ça là-bas? Ouais ça. Ah ouais, effectivement. 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 Hein, en vrai, putain, j'ai l'impression qu'on fouille et pourtant on fouille pas assez, hein. En vrai. Et du coup, c'est... Attendez, c'est cette plaque-là qui me permet... Du coup, de... Attendez, c'est où? De récupérer ça, là, ici? J'imagine. Il y a tellement d'endroits genre là où ça me dit qu'il y a un truc et tout alors que... Regarde, là il me dit lieu de cérémonie.
On va faire ça, tiens. Non. On va juste regarder. Alors. Recharger. Donc je peux pas le recharger. Et animal en bois. Non, recharger c'est. Ok. Alors, on va te vendre un, on va te vendre juste un truc. On va te vendre l'animal en bois. Et encore, je pense que c'est peut-être pas terminé. Mais bon. Hop. Et on va rapidement, du coup, on va rapidement aller, aller là. On va retourner là juste pour voir ce que c'est que ce trésor. Ça, on en aura fait un. Et ensuite, on part en direction de l'autre côté. Ah, il fallait pas. Ah bah je sais pas, moi j'ai besoin d'argent. Hein. Moi je vois des trucs à vendre, je les vends. Apparemment il fallait pas non plus. Bon, c'est pas grave. Ça aurait fait une petite statuette, je pense, une fois reconstituée. Peut-être. Ouais, je pense, ouais. J'en sais rien. Ouais, ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Oh. Écoutez. Pas très grave. Oh, le brouillard qui arrive dès que tu passes ici. Incroyable. Oh! Tu vas pas me foncer dessus quand même, toi. Est-ce que vous pensez que je peux arriver à le buter d'une traite avec un headshot dans la tête? Oui. Viande. C'est tout? Que deux bouts de viande? Quand même. J'attendais plus. Attendez plus. Bon. Donc. Oh! Pourquoi c'est ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Tu sors d'où, toi? Panique! Ah oui, grosse panique. Putain, c'est vraiment la merde. Genre au bout d'un moment. C'est le moment de possiblement me déverrouiller une giga-arme, hein. C'est le moment. Niquez-vous, putain. Un calice. Tout ça pour un calice. Oh! Crevez. Je n'ai officiellement plus aucune balle sur aucune de mes armes. Bon. Eh bien, rip. J'ai ce que j'étais venu chercher. Alors, qu'est-ce qu'on a eu, fais voir. J'ai eu le calice de Berengario. Calice antique de Berengario, l'un des quatre fondateurs. Examiné. Est-ce que ce truc, je peux le vendre en l'état? Ou est-ce que faut le combiner? Parce que si je peux le vendre en l'état, tout ça pour un calice. Après, ça dépend si le calice c'est 60 000. Tu vois. Ouais, je vais lui acheter des balles au vendeur, mais c'est juste j'ai plus de thunes. Ouais, je peux. Ouais, 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 ok. Alors, on va vendre le calice.